Salut, c'est Tony Fixier. Aujourd'hui, je suis dans les studios de Star Music, c'est magnifique. Et je vais vous présenter le CLP 785 de chez Yamaha. C'est le dernier clavier Nova de la série 700, avec son homologue piano crapaud 795. Mais là, on va parler du modèle 785. Quand je suis arrivé dans la pièce, j'ai vu ce piano, ce CLP 785. Je me suis demandé si c'était pas un piano acoustique ou si c'était un piano numérique. Il se trouve que c'est un piano numérique. Alors déjà, on n'aura pas besoin d'appeler l'accordeur et l'accorder en permanence. D'où la question sur le meuble, sur l'aspect du meuble. C'est très très bien fini. J'ai l'impression d'être devant un piano acoustique alors qu'on est vraiment sur un piano numérique. Là, on est sur la finition laquée noire. Il y a aussi la finition laquée blanche et noir mat. Parlons de la chose la plus importante pour moi en tant que pianiste, c'est le toucher. Et là, on est sur un grand touch de chez Yamaha. C'est la dernière technologie de chez Yamaha, avec un clavier qui est lesté dans les graves et dans les aigus, avec une graduation du poids, comme sur un piano acoustique et sur un piano de concert, où on a les marteaux les plus lourds qui sont dans le grave, bien sûr. Et plus on va dans les aigus, plus les marteaux sont légers, et donc le toucher est léger. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réaction intuitive des pianos. Et là, il y a ce qu'on appelle le double échappement. Ça, on n'en parle pas souvent. Je l'ai vu tout de suite en le jouant. En fait, quand on enfonce une touche, si on l'enfonce à moitié, elle se bloque un petit peu. Et après, on peut avoir le son, comme sur un vrai piano. C'est-à-dire que ça va me permettre de répéter les notes, par exemple. Voilà. Il y a ça là-dessus, et je trouve ça vraiment incroyable pour la pratique. Au-delà du toucher, il y a aussi le son. Il y a un système que Yamaha a monté, c'est la VRM, Virtual Resonance Modeling. En fait, ça reproduit le son d'un piano acoustique, des cordes, de la table d'harmonie, des résonances sympathiques des cordes. Là, on entend la résonance sympathique. J'ai enfoncé ma main gauche comme j'aurais fait sur un vrai piano, dans le bas des cordes. Et je joue dans l'aigu. On entend la résonance sympathique. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est aussi comment ils ont placé les enceintes. Il y a un jeu d'enceintes ici, comme ça, comme si le piano était ouvert. Et il y a des enceintes en dessous, là, au niveau des cordes. C'est vraiment hyper bien fait, parce que quand je joue une nuance forte, il y a le son qui se projette vers moi. Et ça sort pas comme dans les anciens pianos où il y avait des paires d'enceintes où on sentait le son sortir de là et de là. Mais là, vraiment, le son sort du meuble, de l'instrument. Et ce qui est incroyable, c'est quand je joue piano. Pianissimo. Tous les détails sont là. C'est vraiment... C'est très bluffant. En termes technologiques, c'est bluffant, mais même en termes de sensations. C'est-à-dire que les sensations ne mentent pas. C'est-à-dire que quand on joue quelque chose, on peut en débattre pendant des heures, mais si on le joue et qu'on le sent, c'est tout ce qui me va, moi, en fait. Ça me correspond. Alors, on a un pédalier, comme sur tous les claviers Nova, avec trois pédales, merci. Merci, Yamaha. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant sur ce modèle, c'est déjà le son. Quand j'enclenche la pédale, j'entends les étouffoirs des marteaux se lever. Certains diront que c'est un gadget, mais ça rajoute au réalisme du piano. Aussi, en termes de sensibilité de la pédale, ce que j'avais jamais vu avant, c'est que, en fait, si je l'enfonce pas totalement, comme sur un vrai piano, le son résonne, mais pas tant que ça. Si je l'enfonce totalement, le son résonne. Et on entend même la résonance sympathique si on se... On est sur un clavier Nova qui... Il ressemble à un piano acoustique, qui donne les sensations d'un piano acoustique par le toucher, par la projection du son. Et là, je me dis, bon, Yamaha fait super fort. Je pose ma main sur le panneau tactile, il s'allume. Et là, on a tous les sons de la série CLP, des sons de piano, des sons d'orgue, des sons de violon, des pads, avec le même instrument. Donc là, je suis sur un CFX, le grand concert. C'est mon son préféré de piano, il est là, accessible. Et en un clic, je me retrouve sur le Besonderfer Impérial.
On est sur un son un peu plus chaud. Ce que j'aime bien sur ce panneau, c'est qu'on a le accès à tous les pianos. Piano droit, upper right piano, studio. Et je vais aller chercher un son de piano électrique, le soft case. Là, je retourne sur l'écran tactile. Et là, je vois qu'on a des pianos, des fortepianos. Ça, c'est une nouvelle touche de chez Yamaha. Ils ont échantillonné 3 sons de fortepiano à la Mozart, à la Scarlatti, à la Beethoven. Il y a des e-pianos, il y a les organes, il y a les violons, les strings. Ce que je fais souvent, c'est que j'ai toujours un piano acoustique et je rajoute toujours un clavier au-dessus pour faire des pads. Or là, on a la fonction dual qui nous permet de faire ça directement. Alors hop, je rentre et j'ai mis le piano, le CFX, et j'ai mis un dark pad en deuxième couche. Donc là, je peux... J'adore ça, je m'amuserai pendant des heures là-dessus. Il faut que je vous parle de quelque chose qui est vraiment surprenant, c'est qu'on peut s'enregistrer. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Je sauve et je le joue. Donc là, j'ai joué sur moi, sur moi-même. C'est quelque chose qui m'a souvent manqué, moi, dans mes études de piano, de pouvoir m'enregistrer pour pouvoir avoir un rendu de ce que je fais. J'utilisais un enregistreur cassette à l'époque et le son était dégueulasse. Mais là, avec ça, on a un super son. Alors, ce que je trouve vraiment super, c'est la piano room. Il faut imaginer qu'on met ce piano dans une pièce et qu'on va choisir la pièce, qu'on va choisir l'instrument, qu'on va choisir le piquage des marteaux. On peut décider de fermer le lid ou de l'ouvrir. Alors là, je suis sur un CFX avec le lid grand ouvert et je vais aller piquer les marteaux. Je vais aller dans les marteaux. J'ai envie que mon piano soit un peu moins brillant, donc je vais descendre en brillance, et je vais descendre à 3. Ensuite, le toucher. Moi, j'aime bien quand le toucher reste médium. En gros, on va jouer sur la force du clavier. Un clavier hard, c'est un clavier qui demande plus de force pour sortir un son. Un clavier soft, c'est un clavier qui demande moins de force, donc le son sort plus facilement. Et moi, j'aime bien être au milieu. Et je vais choisir ma pièce. Alors là, on est dans une pièce de musique de chambre. C'est sympa, c'est intimiste, c'est gentil, mais moi j'ai envie d'aller dans une cathédrale, pourquoi pas. Et je vais jouer la même chose. Et comme la résonance est différente et que j'ai l'impression d'être dans une cathédrale, j'ai envie de jouer autre chose. Donc là, j'ai choisi la cathédrale et la salle de musique de chambre, mais aussi plein d'autres rooms. Il y a le club, il y a la salle de concert, il y a la salle de récital, il y a même aussi la salle de studio d'enregistrement. Je sors de la piano room, je retourne dans ma banque de sons, je choisis un CFX grand piano, par exemple, et je vais commencer à travailler. J'ai besoin d'un métronome. Hop, en un clic. Et là, ils sont allés encore plus loin, parce que c'est bien de travailler au métronome, c'est très recommandé, et je le recommande à tous mes élèves. Et pourquoi ne pas travailler avec une section rythmique ? Et voilà. Donc là, il y a la section rythmique intégrée, avec plein de rythmes. Il y a samba, bossa, jazz, swing. Donc on parle de travailler, de pratique. Yamaha a pensé à tout. Une prise casque. Un casque, plus de son pour les voisins ni pour les proches. Par contre, c'est pas un casque stéréo standard. Là, on est sur un échantillonnage binaural qui permet d'entendre le son en 3 dimensions. Et c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. J'ai l'impression de ne pas avoir de casque. Ça vaut vraiment le détour. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. J'ai essayé ça tout à l'heure. C'est impressionnant. On a le panneau tactile qui permet d'accéder au son, au dual, à la piano room, à l'enregistrement. Yamaha a pensé à créer l'application Smart Pianist. Smart Pianist, c'est une application qui permet d'avoir tout ça sur une tablette et de pouvoir vraiment régler tout ce qu'on a dans le panneau tactile, mais en plus,
On a aussi des partitions. L'application peut rejouer et enregistrer la partition de ce que vous jouez. Ça, c'est vraiment super parce que ça permet de jouer un morceau, d'écrire une partition. C'est-à-dire que je joue quelque chose et la partition va se faire d'elle-même. Et aussi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est de pouvoir travailler un morceau et d'avoir ce morceau qui est relié, connecté au piano. Du coup, la partition va être jouée en audio. On peut la rejouer, on peut jouer des morceaux qui sont dans l'application Smart Pianist et les apprendre. Il y a un truc dont je voulais vous parler aussi, c'est le Bluetooth. Là, par exemple, je viens de jouer toute la soirée, j'ai joué du piano pour les amis. Et je suis fatigué, j'ai envie d'aller me reposer, aller boire un verre avec mes amis. Mon piano va jouer ma musique tout seul. Voilà. Par exemple, je vais mettre I Am Human de Tony Sixier, je ne sais pas qui c'est. En résumé, on a toutes les qualités d'un piano acoustique dans un piano numérique. Le look, le toucher, la sensation, le son, et en plus le panneau tactile avec toutes les options, les sons, le dual, l'enregistrement. Je vous invite à venir le découvrir en magasin chez Stars Music ou sur le site internet de starsmusic.fr. Ça vaut vraiment le détour. Quant à moi, je vous invite à venir à mon prochain concert.